Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Lors de ma création de la vidéo, j'ai oublié de vous mentionner la grosseur de la laine, sa provenance et sa composition. Donc, j'ai utilisé cette laine-là ici, comme vous voyez. C'est une laine qui était assez fine. Donc, elle provient de chez Knitpix, c'est les grosseurs sport. Donc, c'est la grosseur 2. Et c'est 60% de pima coton et 40% de modal. Le pima coton, c'est la fleur qu'on voit dans le champ. Et modal, c'est la partie de la plante. Donc, ils ont fait un mélange avec les deux pour que ça devienne solide. C'est les bas que j'ai fait. C'est très, très, très confortable et aussi c'est très, très léger. J'ai fait des paires de bas justement pour l'été. Alors, le point qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le point en jersey. Alors, je vous souhaite un bon visionnement et je vous suggère d'écouter la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir une surprise. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Bon visionnement! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là aujourd'hui. Comme promis, on va tricoter des chaussettes. Comme vous voyez, en ce moment, j'ai déjà tricoté une chaussette pour vous montrer qu'est-ce que ça donne en pointe jersey. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. À partir de la pointe jusqu'à le haut, jusqu'à la cheville, dans le fond, pour faire des côtes 1-1. Vous aurez besoin des aiguilles, soit des aiguilles circulaires, une de chaque couleur que moi j'utilise personnellement pour démarquer le haut du pied et le dessous du pied. Vous pouvez utiliser également un jeu de 5 aiguilles et c'est bien important d'utiliser du 2.5 pour la grosseur de laine qu'on a. Moi, c'est environ la grosseur 2. C'est la laine sport de Knitpix que j'utilise. Ensuite, vous aurez besoin d'une aiguille à laine pour coudre, dans le fond pour rentrer les fils et faire la finition. Et une paire de ciseaux, bien sûr. Alors voilà, on se retrouve dans quelques instants pour le montage de la pointe. Voilà, nous sommes de retour. Alors pour commencer la pointe, vous pouvez prendre votre fil, on va faire trois longueurs à peu près du bout du pied. Donc j'en ai 1, 2 et 3. Et on va faire un noeud coulant. On va placer une première aiguille et on va serrer un petit peu le nœud. Et on va prendre l'autre aiguille ici. Et on va faire 8 mailles de chaque côté de la même façon que j'ai fait ici. Comme ici, vous voyez la pointe. Donc j'ai fait 8 mailles de chaque côté. Et ensuite, quand je tricote avec chaque tour, j'ai fait une augmentation jusqu'à ce que j'arrive au nombre de mailles que je voulais avoir. Et voilà, de retour pour le montage en 8. En fait, c'est pour faire 8 mailles sur chaque aiguille. Alors, ce que vous avez besoin pour, comme j'expliquais tout à l'heure, le faire la pointe ici. Donc, on va faire 8 mailles sur une aiguille et 8 mailles sur l'autre. Pour ce faire, au lieu de prendre mes aiguilles circulaires que j'ai utilisées tout à l'heure, je vais prendre les aiguilles droites. Ça va être plus facile pour vous de comprendre comment ça fonctionne. Alors, vous prenez ici à trois fois la longueur de ça, admettons. Donc, vous avez une, deux, trois longueurs. Et rendu au bout, on fait un nœud coulant. Vous prenez votre aiguille. Et voilà. Celle qui a le nœud dessus, vous le gardez à droite. Et vous prenez l'autre à gauche du fil. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est prendre les deux fils ici. Et avec vos doigts, vous allez, avec votre pouce, moi j'ai pas assez les doigts longs, donc on fait le tour comme ceci.
comme ça. On a déjà 2 mètres de fait. Ici aussi. Là, j'ai des crampes dans les doigts. Ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, ici, ça fait 5. 5. 6. 6, 7, 7, 8, 8. Voilà. Voici pour le montage. Comme vous voyez, c'est déjà tricoté en arrière. Bon, maintenant que j'ai mes 8 mailles sur chaque côté, moi j'en ai ajouté une pour pouvoir faire mon tricot en rond. Et lorsque on va avoir tricoté cette barre ici, on va tricoter ces 2 mailles-là ensemble pour pouvoir enlever le nœud, bien sûr, et avoir 8 mailles sur cette maille-ci. Donc, comme vous pouvez voir, je tricote à l'endroit. Et c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu difficile, c'est très serré. C'est pour cette raison que moi, j'utilise des aiguilles souples circulaires. Voilà, ici, j'avais commencé, mais je vous reviens avec le début. Voilà, de retour avec mes aiguilles circulaires. Comme je vous mentionnais ici, il y a 8 mailles et 9 mailles en bas pour pouvoir tricoter ces deux-là ensemble pour enlever le nœud. Alors, ici, j'ai celui qui est transparent, je vais m'en servir pour faire le dessus du pied. Et celui qui est de couleur bleue, je vais m'en servir pour faire le dessous du pied. Donc, ça ici, on va toujours tricoter avec cela, de cette façon-là, pour pouvoir faire notre montage pour la pointe du pied. Alors, on tricote tout à l'endroit les 8 mailles de notre dessus du pied. Alors, si j'en ai une et de deux, mais je peux faire glisser mon aiguille en dessous afin de me permettre que ce soit un petit peu plus large, mais il faut que je tricote un petit peu serré pour pas que les mailles soient trop larges. Alors, je suis rendue à ma deuxième. 3. 4, 5, 6, 7 et 8. Comme vous voyez, on commence déjà à voir le point jersey. Maintenant, je tourne mon travail et je vais ramener mon aiguille du dessous de pied au début. C'est l'idéal pour avoir des aiguilles à double pointe. Voilà, c'est un petit peu serré. Voilà, alors je prends ça ici. Donc, je tricote la maille que j'ai commencée, puis celle d'à côté ensemble, à l'endroit. Donc, je vais prendre pour acquis que ça va être une maille à l'endroit. Et voilà, je l'ai, mais je vais recommencer. C'est un peu serré. Et voilà, donc une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. 6, 7 et 8. Sur notre prochain rang, on va faire des rangs d'augmentation pour pouvoir faire la pointe du pied. Alors ici, je glisse mon dessous de pied et je fais glisser pour ramener la pointe en avant.
Et de cette façon, le travail va se faire en rond de toute façon. Donc, je tricote ma première maille. À l'endroit. Et la deuxième maille, je la tricote deux fois pour faire l'augmentation. Donc. Et je vais la piquer par derrière ici. Vous voyez ici, je la pique ici pour faire l'augmentation. Et je continue à l'endroit jusqu'aux deux dernières mailles. Voilà, je suis rendue aux deux dernières mailles. Je tricote ici une maille à l'endroit et je vais chercher ici par derrière un autre maille. Ça évite de faire des trous dans le tricot. Et je fais la même chose l'autre côté. Alors, je vais glisser. Ici, je vais le descendre. Donc, je tricote la première maille, la deuxième, comme ça, et je fais une augmentation ici, tricoter en arrière de la deuxième maille. Et je continue à l'endroit jusqu'aux deux dernières mailles. Comme ça ici, et on tricote l'augmentation de cette façon-là. Et une maille à l'endroit. Là, on continue à faire des augmentations de part et d'autre des aiguilles à tricoter. Alors ici, je descends, je ramène mon dessus de pied. Là, j'ai déjà le premier rang de fait. Donc, comme je vous disais, on continue l'augmentation jusqu'à temps qu'on atteint 56 mailles dans ce cas-ci. Alors, je fais une maille à l'endroit. Dans ma deuxième maille, je fais une augmentation. Et je continue tout à l'endroit. Je me rends jusque à l'avant-dernière maille que je tricote deux fois, comme ceci. Voilà pour mon dessus du pied. Maintenant, je vais faire le dessous du pied. Et on continue de cette façon-là pour le dessous du pied. Alors, je tricote ma première maille. Dans ma deuxième maille, je fais une augmentation. Là. Et je tricote le tout à l'endroit jusqu'aux deux dernières mailles. Un peu serré celle-là. Et on continue ainsi ça, on a déjà deux tours de fait. Là, on va retourner sur le dessus du pied. Ça veut dire que quand, lorsqu'on a atteint, on a terminé l'aiguille du dessous du pied, ça veut dire qu'on a déjà un tour complet de fait.
Donc, sur ma maille, sur le dessus du pied, quand je vais avoir atteint toutes mes mailles, je vais avoir 23 mailles sur chaque aiguille. On continue de cette façon-là. Et je vais vous revenir quand je vais avoir atteint mes 56 mailles. À tout à l'heure. Voilà, la pointe du pied est faite. Et tantôt, je me suis trompée, j'ai dit 23 mailles sur chaque aiguille, mais c'est 28 mailles pour égaler 56 mailles au complet. Alors voilà, on voit aussi que c'est pas mal égal avec l'autre bas. Maintenant, on va continuer à tricoter à l'endroit jusqu'à temps qu'on atteigne 17 cm et demi. Alors ici, je vais prendre mon aiguille du dessus du pied et je vais prendre l'autre bout et je vais tricoter tout à l'endroit. Voilà, tout à l'endroit, on a terminé de faire nos augmentations et je vous reviens aussitôt que je vais être rendue à peu près à 17 cm et demi de mon bas. Voilà, la pointe du pied est faite. Et tantôt, je me suis trompée, j'ai dit 23 mailles sur chaque aiguille, mais c'est 28 mailles pour égaler 56 mailles au complet. Alors voilà, on voit aussi que c'est pas mal égal avec l'autre bas. Maintenant, on va continuer à tricoter à l'endroit jusqu'à temps qu'on atteigne 17 cm et demi. Alors ici, je vais prendre mon aiguille du dessus du pied et je vais prendre l'autre bout et je vais tricoter tout à l'endroit. Voilà, tout à l'endroit, on a terminé de faire nos augmentations et je vous reviens aussitôt que je vais être rendue à peu près à 17 cm et demi de mon bas. Me voilà de retour avec l'avancement de mon bas, comme vous voyez ici. Je vais le mesurer. Dans mon cas, à moi, j'ai pris le 5, 6 et 5, le 5 pour la longueur, vu que j'ai un petit pied. Et vu que j'ai le pied large, j'ai pris 56 mailles tout autour. Vous allez voir dans le patron ici, comme je vous l'ai sorti ici. Alors, pour la taille 5, on a 17,5. Et pour la taille 6 et 7, on a 18 cm. Et la taille 8, on a 19 cm. Et pour chaque taille additionnelle, on rajoute toujours 1 cm pour la longueur du pied. Voilà pour ça. Alors, je vais mesurer combien que j'ai 2 cm qui va me rester à faire. Alors, ici, j'ai 15 cm. Il me reste 2 cm et demi. Alors, je vais continuer à travailler tout à l'endroit jusqu'à temps que j'atteins ma mesure. Et on se revoit tantôt. Voilà, j'ai déjà atteint mon 17 cm et demi. Alors, pour finir mon tour complet, je vais faire tricoter en endroit mon rang, ici, pour le dessous du pied. Et je ne tricoterai pas la dernière maille parce qu'on va commencer à faire notre point raccourci, en fait. C'est ça, en rang raccourci, je veux dire, pour pouvoir faire notre talon. J'espère que vous voyez bien. Donc, je tricote tout à l'endroit avant la fin du rang.
Il va me rester une maille. Elle, je vais la mettre de côté. Puis on va commencer à faire nos raccourcis. Attends, vous voyez, c'est déjà tout frisé. J'ai dû défaire mon travail tantôt parce que mes mains étaient trop basses puis on ne voyait même pas dans la caméra. J'ai tout effacé et de recommencer. C'est ça la magie de la caméra. Ça paraît pas tout le temps, toutes les bloopers qu'on peut faire. Alors, celle-ci, je la laisse sur mon aiguille. Alors, je tourne. Je prends mon fil, je le passe par-dessus, je l'envoie ici en avant. Je glisse la maille sur mon aiguille de droite et je tourne mon travail. Et je fais le tour, je l'amène par devant, je prends la maille et je la glisse et je continue à travailler, à tricoter à l'envers jusqu'à la dernière maille. Lorsqu'on va avoir terminé de faire tous nos rangs raccourcis, dans le centre du pied, il doit nous rester 10 mailles. Et rendu là, on va pouvoir récupérer les mailles qu'on a mis en attente et ça va nous faire un beau talon. Donc, il me reste 3 mailles à tricoter. 1, 2 et 3. Je prends mon fil. Je le passe derrière, je glisse ma maille, j'envoie le fil comme ça, je le passe comme ça, en arrière, je glisse ma maille et je continue à tricoter à l'endroit jusqu'aux deux dernières mailles. Donc, celle qui est déjà en attente, et la dernière que je ne dois pas tricoter. Lorsqu'on va avoir terminé de faire nos mailles en attente, il doit y rester 8 mailles de chaque côté des aiguilles en attente. Donc il me reste une maille ici à faire. Je passe mon fil devant. Je fais glisser la maille. Je mets le fil par derrière. Je tourne. Je glisse et je continue à travailler tout à l'envers jusqu'aux deux dernières mailles. Il me reste 3 mailles à tricoter, 1, 2 et 3. Je passe mon fil derrière, j'amène ma maille, je ramène le fil par devant, je tourne, je glisse
et je continue à tricoter à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. Une, deux, trois. Il me reste une maille à tricoter. Je passe mon fil par devant. Je glisse ma maille. Je tourne. Et je continue à l'envers jusqu'aux 3 dernières mailles. Vous continuez ainsi jusqu'à temps qu'il vous reste 10 mailles tricotées au centre sur votre aiguille. Voilà, j'ai tricoté. Il me reste deux rangs de diminution à faire. Alors, je continue. Là, j'ai 2, 4, 6 mailles. Et là, je continue à l'endroit jusqu'à temps qu'il me reste 7 mailles. Jusqu'aux 7 dernières mailles. Donc, j'en ai ici 2, 4, 6. Donc, il me reste 5 mailles à tricoter. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je mets mon fil devant. Je glisse ma maille. Je fais le tour. Je tourne. Et je continue. Je glisse, bien sûr. Je continue à l'envers. Jusqu'aux 7 dernières mailles. Deux, quatre, six, sept. Il me reste encore une, deux, trois, quatre et cinq. 2, 4, 6, 7. Voilà. Alors, je passe mon fil derrière. Je glisse. Je passe mon fil devant. Je tourne et je tricote à l'endroit jusqu'aux 8 dernières mailles. Il me reste 3 mailles à tricoter. 1, 2 et 3. Juste pour être sûr. 2, 4, 6, 7. Non, c'est celle-là qu'il fallait que je prenne. 2, 4, 6, 8. Voilà. Alors, je passe mon fil devant. Je glisse la maille. Je fais le tour. Je tourne. Je la glisse. Et je continue à l'envers. Jusqu'aux 8 dernières mailles. En principe, je devrais tricoter 10 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, et je devrais avoir 8 mailles sur mon aiguille. 2, 4, 6 et 8. Je passe mon fil derrière. Je glisse. Je passe mon fil devant. Je la glisse et je tricote mes 10 dernières mailles. Mes 10 mailles, je veux dire. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, c'est à ce moment-ci
qu'on va aller reprendre les mailles qui sont en attente pour pouvoir créer notre talon. Je glisse la première maille. Je prends le fil qu'on avait mis autour et je tricote à l'endroit. De cette façon, ici, lors du montage du talon, ça ne fera pas de trou. Je glisse et je tricote les 10 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je glisse la maille, je prends le fil qu'on a mis autour, je remets la maille sur l'aiguille et je tricote à l'envers. Voilà. Je glisse la maille et je continue à l'endroit. Donc, je dois tricoter 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ça, c'est la maille qu'on a récupérée tout à l'heure. Donc, je fais glisser l'autre maille qui est en attente sur mon aiguille. Je prends le fil, je le mets sur l'aiguille et je tricote à l'endroit. Je tourne, je glisse la maille et je continue jusqu'à la prochaine maille qui est en attente. Je devrais tricoter 12 mailles. Donc, j'en ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en fait, c'est 13. 13, voilà. Donc, je prends ma main qui est en attente, je la glisse, je prends le fil qu'on a mis autour, je la mets sur l'aiguille, je reglisse ma maille en attente et je tricote à l'envers. Je tourne, je glisse la maille et je tricote jusqu'à la prochaine maille en attente. Vous faites de même jusqu'à temps qu'il ne vous reste plus de mailles en attente. Alors, on glisse, on prend le fil, on le remet sur l'aiguille, on tourne comme ça, on tricote à l'endroit, on tourne l'ouvrage, on glisse la maille et on continue à l'envers jusqu'à la prochaine maille qui est en attente. Voilà, moi je vais continuer jusqu'à temps qu'il me reste 2 mailles sur chaque aiguille. Bon, comme vous voyez, il me reste 2 mailles en attente de chaque côté. Et voyez, il y a la formation du talon qui est déjà fait. Alors, je continue mes 2 dernières récupérations des mailles en attente. Donc, je prends la maille, je la glisse,
Je récupère mon fil, je réglisse et je tourne et je tricote à l'endroit. Voilà. Je tourne mon ouvrage, je glisse la maille, je continue à l'endroit jusqu'aux deux dernières mailles qui sont en attente. Vous voyez, c'est pas très compliqué faire des rangs raccourcis. Ah, je tricote ma dernière maille. Je glisse ma maille suivante. Je reprends mon fil. Ici, je laisse l'autre par-dessus et je tricote à l'envers. Je tourne mon travail, je glisse la maille, je serre un petit peu et je continue à l'endroit jusqu'à ce que j'arrive à la dernière maille qui est en attente. Voilà, alors je glisse la maille, je vais chercher mon fil qui est ici, voilà, je glisse la maille et je tricote à l'endroit, voilà, je tourne mon travail, je glisse la maille et je continue à l'envers jusqu'à la dernière maille restante. Je glisse la maille, je prends mon fil, je récupère et je tricote à l'envers. Je tourne. Je la glisse et je travaille maintenant tout le tour à l'endroit. Je vais tricoter tout à l'endroit ensuite. Jusqu'à temps que j'arrive à la bordure, où est-ce que je veux la faire? Je vais finir mon tour et je vais vous montrer. Bon, voilà ce que ça donne comme talon. Ça fait un beau travail, n'est-ce pas? Bon, ce que je vous parlais, c'est comme ici, moi j'ai fait
à partir du talon jusqu'ici. J'ai fait 8 cm de long avant de faire ma partie de côte 1-1. À ce moment-là, on reprend l'aiguille qu'on avait sur le dessus du pied et on continue à travailler en rond tout à l'endroit. Là, je prends mon autre aiguille ici que j'avais mis de côté. On avait mis en attente parce qu'on faisait le talon. Voilà, et on continue, on travaille tout à l'endroit. Et je vous reviens quand je vais avoir atteint mes 8 cm. À tout à l'heure. Me voilà de retour. Alors, j'ai fait tout en jersey, j'ai monté jusqu'à 8 cm. Alors, je vais juste vérifier pour être sûre avant de commencer le point ici en côte 1-1. Alors, je prends, on mesure à partir du bas du talon jusqu'aux aiguilles ici. Alors, effectivement, j'ai 8 cm. Bon, pour commencer, je vais regarder voir. OK, il me reste un tour à faire pour terminer mon rang parce que je dois commencer par le talon. Alors, je vais terminer ici le rang tout à l'endroit. Et par la suite, on va commencer les côtes 1-1. Et c'est bien important de commencer la première maille à l'envers. Parce que lorsqu'on va avoir terminé de faire nos côtes 1-1, on va commencer la fermeture en rabattage. Et voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais commencer les côtes. Donc, je commence à l'envers. Normalement, j'aurais dû faire comme ça, mais étant donné que j'ai des aiguilles circulaires et ça va faire un trou. Alors, ce que je fais, c'est que je prends comme ça par en bas et je ramène par en dessous. Et je fais le reste. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, c'est ça. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et on fait ça tout le tour, jusqu'à ce qu'on a atteint, oh, là, j'ai fait deux mailles à l'endroit, lorsqu'on a atteint la longueur voulue. Dans ce cas-ci, j'avais terminé sur cette aiguille-là, je vais vous montrer. Voyons, c'est ça. À l'endroit, à l'envers. Je viens de me lever. Un petit peu de misère. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. On fait ça
tout le tour. Ici, je termine par une maille à l'endroit. Donc, sur mon autre aiguille, je devrais commencer par une maille envers. Et on fait comme tout à l'heure. Au lieu de faire le tour de l'aiguille, on passe en dessous pour pas que ça fasse de trous sur le côté. Là, on tire un petit peu, on le ramène en arrière. À l'endroit, à l'envers, et voilà comme ça. On continue jusqu'à ce qu'on ait atteint cette longueur-là. Voilà, j'ai presque terminé mon dernier tour pour faire les côtes 1-1 pour arriver à cette longueur-là ici de mon autre bas. Et ensuite, on va faire la terminaison élastique. Donc ici, je mets toujours mon fil par devant pour tricoter de l'autre manière, pour pas que ça fasse un trou. Voilà, comme ça. Donc, je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à la fin. C'est fait. Maintenant, on va commencer à faire la terminaison élastique. Mais là, je pense que je vais manquer de fil, donc je vais prendre le restant qui me reste ici, tantôt, pour faire la terminaison. Donc ici, sur le devant du travail, on va tricoter une maille sur deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser la maille qui est à l'envers. Et on va tricoter la maille à l'endroit. Donc là, je vais remettre mon fil par derrière, vu que j'ai pas besoin de faire ma maille à l'envers. Il faut que je la glisse. Alors, je la glisse sur mon aiguille. Je tricote une maille à l'endroit. Je glisse ma maille à l'envers. Je tricote ma maille à l'endroit. Je glisse. Je tricote. Je glisse, je tricote à l'endroit et je fais de même tout le rang. Et je tricote. Je fais la même chose pour le derrière du pied. Là, ici, dans le milieu, je vais rajouter mon fil parce que probablement je n'aurai pas assez pour faire ma terminaison.
Donc, j'ai glissé la première maille, je tricote la deuxième, je glisse, je tricote, ainsi de suite. Bon, là, je vais prendre mon autre fil ici. Bon, je vais la tricoter. Elle, je vais la couper. Ça va être trop long. Voilà. Donc, je vais prendre le petit bout ici. Et je vais pouvoir rentrer mes fils après. Hein. Et voilà. Oupsie. Voilà. Je glisse. Je tricote, je glisse, je tricote, je glisse, je tricote, je glisse et je tricote. Voilà. Là, on va serrer mes deux petits fils ici. Voilà, on va les mettre à l'intérieur. Voilà, j'ai terminé mon tour. Maintenant, on est rendu à la terminaison. Moi, j'ai calculé 3 fois la longueur, la largeur du bout complet. Alors, j'ai pris mon aiguille Allen. Je vais rentrer ici comme ça. Et voilà. Donc, pour les deux premières mailles, pour commencer mon rang, alors, je prends les deux premières mailles. Je passe l'aiguille dedans, de gauche à droite, et je tire le fil. Et je glisse les mailles. Par la suite, je prends la maille qui est à l'envers. Je passe de gauche à droite comme ça. Je tire le fil. Mais je laisse la maille sur l'aiguille. Par la suite, la première maille ici de la maille en droit qu'on a glissée, on la prend et on va chercher l'autre maille qui est à l'endroit. On tire dessus. Comme ceci. Et ensuite, on prend la première maille qui est à l'envers ici. On tire le fil. Voilà. Et on fait glisser les deux mailles. Une qui est à l'envers et l'autre qui est à l'endroit. Il faut toujours garder une maille à l'envers sur notre aiguille. Et on continue comme ça ici. On prend la maille à l'envers, comme ça. On passe le fil, on la laisse sur l'aiguille. On va chercher ici la maille à l'endroit. Je vais prendre celle-là ici. On la passe dans l'autre ici. On tire le fil. Et ensuite, de droite à gauche, on passe de la maille à l'envers. Voilà. Et on fait glisser les deux mailles. Et on se retrouve avec une maille à l'envers sur l'aiguille. On fait la même chose. On passe comme ça ici. On la laisse sur l'aiguille. On va chercher notre maille à l'endroit ici. Passe dans notre maille à l'endroit suivante, à côté de la maille à l'envers. On tire le fil et on glisse les deux mailles.
Oups, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de faire ça de même, mais je vais le faire tout de suite. Voilà. Je trouvais qu'il y avait de quoi être bizarre. Bon, alors, on recommence. De droite à de gauche à droite. Donc, il va nous en rester une aiguille, ça va être moins pire. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher ma maille de droite ici. Je la tricote. Je la passe ici. Voilà. Et de gauche à droite, ma maille à l'envers. Voilà. Là, je glisse les deux mailles. Et je continue. Je passe mon aiguille ici. Ma maille à l'endroit ici. Je prends mon autre maille à l'endroit. Et de gauche à droite, ma maille à l'envers. Et je glisse mes deux mailles. Dans ma maille à l'envers. Je vais chercher ma maille à l'endroit et l'autre maille à l'endroit. Comme ceci. Je pique dans ma maille à l'envers. Et je glisse. Je repasse comme ça. Je fais glisser mes deux mailles. Je passe comme ça dans ma maille à l'envers. Je vais chercher ma maille à l'endroit. À l'endroit ici. Comme ça. Et je pique comme ça dans ma maille à l'envers. Je fais glisser les deux mailles. Je pique ici dans ma maille à l'envers. Ma maille à l'endroit ici. Non, comme c'est ça. Comme ça. Faire le tour. Et voilà. On descend. Voilà. J'ai tout le temps tendance à aller de droite à gauche, mais pour le terminer, toujours de cette façon-là. Je vais ramasser ma maille de droite à l'endroit, l'autre maille à l'endroit ici. Et au lieu de faire ça, il faut faire ça. Et on glisse les deux mailles. Je prends ma dernière maille ici à l'envers. Je prends ma maille de droite. Je pique dans ma maille de droite. Voilà. Et ici, dans notre maille à l'envers. Et on glisse les deux mailles. On continue sur l'aiguille du talon. Je passe l'aiguille dans la maille à l'envers que je laisse là. Je prends ma maille à l'endroit
Et je prends mon autre maille à l'endroit ici. Ça fait un petit nœud, mon affaire. Et ensuite, je passe dans ma maille à l'envers. Ça fait le tour. Et je glisse mes deux mailles. Je passe ici, de gauche à droite, dans ma maille à l'envers. Je vais aller chercher ma maille à l'endroit. Et je pique dans l'autre maille à l'endroit ici. Et de droite à gauche, dans ma maille à l'envers, je tire le fil et je laisse glisser mes deux mailles. Voilà, en force de le faire, on va venir bon. Ma maille à l'endroit, dans la maille à l'endroit, de droite à gauche, dans ma maille à l'envers, et je glisse mes deux mailles. Je passe l'aiguille par devant, de gauche à droite, dans ma maille à l'envers. Je vais aller chercher ma maille à l'endroit ici, dans ma maille sur l'aiguille à l'endroit ici. De droite à gauche, ma maille à l'envers. Et je laisse tomber mes deux mailles. Ensuite, de gauche à droite, de droite à gauche, avec mes mailles à l'endroit, de droite à gauche, ma maille à l'envers, et je fais glisser mes mailles, de gauche à droite, de droite à gauche, et de droite à gauche, ma maille à l'envers. Et je fais glisser mes deux mailles. Voilà. De gauche à droite, ma maille à l'envers. Ma maille à l'endroit avec ma maille à l'endroit ici. De droite à gauche, ma maille à l'envers. Et je fais glisser mes deux mailles. Voilà, c'est pas très compliqué. Juste qu'il faut suivre la séquence bien comme il faut. Non, j'ai mis à l'envers celui-là, vous voyez. Mais ça ne marchera pas. Et je vais repasser et je vais le remettre de droite à gauche. Voilà. Il faut que le fil fasse le tour. Ceci. Des fois, je peux être dans l'une. On a presque terminé. On glisse les deux mailles. On passe de gauche à droite sur la dernière maille à l'envers. On va chercher notre maille droit à l'endroit ici. Voilà. Non, de l'autre côté. Voilà. Et on a terminé. Et puis, pour finir le point élastique,
aller dans la première maille ici. On va passer par devant. Voilà. Et ça fait un super beau travail et ça fait élastique, comme vous pouvez voir. Donc, je vais rentrer mon fil ici. Et voilà. Donc, on va rentrer tous nos fils. Et puis, je vous reviens pour la suite. Voilà, j'ai rentré tous mes fils. Et comme je vous disais au début dans l'introduction, il faut vous abonner. Il faut cliquer sur la cloche pour avoir des notifications. Parce que la prochaine vidéo qui va venir après celle-ci, je vais vous montrer comment faire de la teinture. Parce qu'on va teindre nos bas ici avec la teinture alimentaire de couleur arc-en-ciel pour montrer que ça va bien aller. Alors n'hésitez pas, cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous à ma chaîne et vous allez avoir tous les tutos à venir pour les prochains bas et la teinture. À bientôt!